Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur laquelle vous pourriez vibrer plus ou moins fortement, évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire également pour vous donner quelques informations complémentaires. Et à la fin de ce tirage, un petit chapitre en dessous de cette vidéo vous guidera vers votre tirage sentimental, toujours pour le mois de septembre, et nous clôturerons avec une carte d'oracle. Alors, l'énergie dans laquelle vous baignez quand même majoritairement les Verseaux pour ce mois de septembre, c'est une bonne énergie, c'est le valet de bâton. Donc, vous réapprenez quelque chose, vous êtes relancé, il y a des choses qui vous donnent envie. On est sur l'élément de feu, c'est-à-dire les pulsions, j'allais dire. Pas forcément, mais ce qui vous donne vraiment peut-être envie de vous lever le matin, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous stimule. Il y a là pas mal d'envie d'explorer de nouveaux horizons. C'est encore du domaine de l'apprentissage. Du coup, on n'est pas vraiment construit sur cette énergie-là. Malgré tout, c'est quand même assez présent chez vous. Même si encore un petit peu maladroit. Bon, mais ce n'est pas très grave. C'est quand même une bonne énergie. Ce qui se pose comme un voile sur cette belle énergie du valet de bâton, c'est la 4 d'épée. Alors, pour certains, ça voudrait pouvoir dire que vous êtes un peu coupé dans votre élan de manière obligatoire. La 4 d'épée, c'est une pause qui semble être dans les énergies obligatoires. Alors, pour différentes raisons, ça peut être parce que vous tombez malade, hein, c'est pas forcément grave, mais enfin, ça vous coupe un peu votre élan. C'est un peu compliqué d'être malade et de continuer à être enthousiaste parfois. Ça peut être également qu'il y a besoin malgré tout de travailler à une guérison mentale sur des échecs peut-être passés. Donc vraiment cicatriser ce qu'il y a à cicatriser avant d'emmener ce valet de bâton plus avant. Il y a aussi donc cette idée de vraiment stabiliser ce que vous voulez, poser votre mental pour permettre à ce valet de bâton d'exploiter vraiment tout ce qu'il pourra exploiter dans ces nouvelles découvertes. L'énergie qui va vous aider, c'est la 6 d'épée. C'est finalement de profiter de cette 4 qui n'est pas forcément très agréable tout de suite si vous êtes bloqué de force. Mais s'il y a un système de guérison, c'est quand même intéressant malgré tout. Cette 6 d'épée vous explique que vous allez pouvoir petit à petit prendre le large mentalement, évacuer des situations ou des ruminements ou des cheminements mentaux qui vous semblaient ou qui étaient devenus stériles, qui ne menaient plus à rien. C'est la fin d'une crise, en tout cas dans votre esprit, en considérant aussi que vous allez pouvoir aller vers de nouveaux horizons, un tout petit peu plus riant, un tout petit peu plus rieur. Le challenge, malgré tout, comme c'est quand même... On est quand même dans ces énergies-là. Le challenge, c'est la 3 de coupe, c'est quand même d'arriver à créer quelque chose dans la joie, avec beaucoup de légèreté. Attention cependant à ne pas rester trop dans la superficialité aussi, hein, parce qu'avec ce valet de bâton, c'est un risque. Faire attention à ne pas rester trop dans la superficialité des choses, dans la superficialité des rapports avec, dans vos rapports avec les autres aussi, mais également quand même malgré tout d'entretenir la joie, peut-être bon, ça peut être compliqué à cause de cette 4, comme je le disais, mais d'essayer de rendre ça créatif et joyeux. Et sur le tout le parcours, c'est un peu compliqué puisque donc vous partez d'une crise, donc vous avez la 4 et donc vous êtes quand même sérieusement en réapprentissage de quelque chose de nouveau qui vous donne envie. Ce qui va vous sembler clair, absolument clair sur le mois de septembre, c'est l'énergie de la 4 de denier. Donc vos désirs, c'est ok. Votre mental est en train d'être travaillé positivement. C'est un peu challengeant de rester dans une espèce de légèreté. Peut-être parce qu'il y a quand même la peur du risque, la peur de perdre concrètement ce que vous avez. Là, il y a quand même une hyper sécurisation concrète et matérielle qui va être un petit peu, peut-être pas forcément bloquante, mais qu'il va falloir travailler aussi. Vous allez peut-être aussi avoir affaire à des gens qui ne voudront rien lâcher. Donc, ça peut être un peu compliqué aussi en ce cas.
d'arriver à créer émotionnellement quelque chose, il y a un système de retenue, que ce soit en vous, par crainte ou peur de prendre trop de risques, ou que ce soit à l'extérieur de vous, et du coup, bah, il va falloir faire un petit peu sans ce qu'on ne vous, on vous donnera pas, ce que vous attendez. Ce qui se joue à couvert là-dessus, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment ce qui se joue au fond de vous. C'est ce besoin, cette envie d'aller vite, peut-être un petit peu plus vite que la musique. Encore une fois, là, on peut vous stopper un petit moment. Ça peut être un petit peu gênant. L'envie vraiment de donner un grand coup à vos désirs, de passer vraiment de ce stade d'apprenant du valet pour monter sur votre cheval et actionner quand même plus fortement et plus physiquement, on va dire, vos désirs, quels qu'ils soient. Il y a un empressement au fond de cette histoire-là et en même temps, on vous explique que vous redevenez apprenant et qu'il va falloir passer toutes les étapes pour pouvoir bien profiter pour la suite. Matériellement, concrètement, vous avez la reine de coupe. Donc ça, c'est intéressant. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous avez beaucoup, une capacité, en tout cas, à comprendre comment les autres peuvent fonctionner, peut-être même comment certains, pourquoi certains ne veulent pas donner ce qu'ils ont à donner, ou vous aider, ou lâcher des trucs qui vous seraient utiles pour votre progression. Beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie. Il peut y avoir aussi, si c'est une personne extérieure à vous, par contre, là, ça peut être quelqu'un d'un petit peu maternant avec vous, qui ferait attention à vous, qui prendrait soin de vous. Dans cette situation-là, peut-être à ce moment de blocage, on va aller voir général, concret pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. Vous avez la 6. Ouais, vous. Peut-être même que vous. Vous changez physiquement d'endroit. Hein. Effectivement, puisqu'on a la 6 matériellement. Il y a peut-être une délocalisation, un changement. Voilà, il faut passer ce cap. L'énergie aidante matériellement pour les Verseaux. La 8. De denier et l'énergie challengeante. La reine d'épée et sur cette reine de coupe. La 9 de coupe. Bon. Alors, énergie générale, donc cette prise de hauteur, cette délocalisation, cette envie aussi de sortir d'une crise, là vous sortez. Vous sortez d'une problématique, en fait, les Verseaux, quelle qu'elle soit. Elle peut, du coup, s'infiltrer dans votre mental. Mais enfin, là, prise de hauteur, on allège la situation, en tout cas mentalement. L'énergie qui va vous aider, c'est la 8 de denier. Peut-être parce que, du coup, vous aurez du boulot, des choses à faire. Le travail va s'enchaîner. La matérialité de votre vie va prendre une place très importante. Et du coup, bah, vous aurez autre chose à faire que de vous prendre à la tête ou de vous tarabiscoter le cerveau. Dans des problématiques qui finalement n'auront plus trop de sens pour vous, puisque vous serez concentré sur la matérialité de votre vie, sur les événements qui vont s'enchaîner. Il peut y avoir aussi l'envie de bien faire dans cette énergie-là qui pourrait vous aider à passer ce cap de prise de hauteur. Le challenge, c'est la reine d'épée. Matériellement, quelqu'un, là aussi encore, peut peut-être décider à votre place, trancher à votre place. C'est un peu compliqué, du coup, de garder un petit peu de légèreté et de joie dans cette relation. Ça peut également être vous. Enfin, dans ce cas-là, effectivement, il faudrait aussi par expérience envisager de prendre des décisions claires, nettes et précises pour ne plus y revenir et principalement pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué. Si vous avez en plus à couper avec des relations peut-être futiles, ça peut être compliqué parce que ça peut être aussi agréable d'entretenir ces relations ou en tout cas de travailler à créer de bonnes relations légères dans le bon sens du terme avec d'autres personnes et évacuer celles qui ne vous conviennent pas ou avec qui c'est beaucoup trop compliqué par expérience. Avec la reine de coupe, vous avez la 9 de coupe. Donc, il y a quand même l'idée aussi de vouloir prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre émotionnel pour vraiment travailler à vos souhaits, à ce que vous aimeriez et à ce qui vous nourrirait émotionnellement. Là, on est dans le domaine des vœux.
auquel on s'intéresse beaucoup plus fortement ce mois de... Oh, mais j'avais pas vu, vous avez la 2 de coupe. En 2 de deck et la 10 de bâton, même si on a la 2 d'épée derrière. Bon, on n'arrive pas tout à fait encore à se projeter plus avant. C'est peut-être pour ça que ce cavalier de bâton couve au fond et qu'il remue un peu intérieurement. Mais enfin, voilà, vous avez des souhaits, vous avez des vœux. Vous avez envie d'apprendre. Voilà, pourquoi pas. Émotionnellement, vous avez aussi une énergie apprenante avec le valet de denier. Le valet de denier, là, essaye d'apprendre quelque chose de nouveau, avec des données nouvelles. Il a envie, franchement, mais il est encore un peu inexpérimenté, un peu maladroit. Il a le droit à l'erreur, rappelez-vous-en. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est aussi par expérience après qu'on peut prendre des décisions avec la reine d'épée. Mais voilà, on est sur du neuf pour vous, émotionnellement aussi. Les Verseaux, on va aller voir. Énergie générale pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Dans quelle énergie allez-vous être émotionnellement? Roi de Deniers. Énergie aidante. 6 de bâton. Énergie challengeante. Le diable, oui, il y a peut-être raison de couper avec des liens en fait. Hein. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour vous. Énergie pour ce valet de denier. La 9 de bâton. La crainte peut-être que tout ça est trop gros pour vous. Est-ce que tout ce que vous avez désiré, vous allez pouvoir à ce moment-là, maintenant, pouvoir les assumer jusqu'au bout. Pour ça, il y a vraiment une vraie question. On passe quand même après à l'énergie de l'empereur, hein, et le monde. Bon, alors émotionnellement, on est dans la gestion à la papa, on va dire, de votre univers. Là, je pense qu'il y a cette envie, ce besoin d'avoir, de structurer votre vie, de faire, d'organiser votre vie avec les gens que vous aimez, d'entretenir votre petit confort, et également cette volonté d'être efficace et de pouvoir vous projeter dans un avenir, nourrissant, et sécurisant. Également matériellement. C'est vraiment l'énergie à la papa, quoi, qui gère son petit royaume également en essayant d'en profiter. L'énergie aidante, c'est la 6 de bâton, c'est quand même une victoire sur vos désirs. Vous ressortez victorieux. De toute façon, vous quittez une crise. Elle a été possiblement mentale à un moment donné. Vos désirs. Vous avez bien eu raison de les porter jusqu'au bout, vous avez vaincu des difficultés. Vous vous trouvez ou on vous trouve plutôt pas mal au final, donc ça peut être intéressant pour vous. Il serait intéressant aussi de réfléchir, et c'est ce qui pourrait vous aider, à toutes les luttes précédentes que vous avez engagées, comme vous avez un peu peur là tout à coup de ne pas y arriver cette fois-ci, toutes les luttes que vous avez engagées, que vous avez gagnées par le passé, qui pourraient vous dire que finalement, ben, vous avez traversé bien d'autres épreuves et que vous allez réussir à traverser également celle-ci. Le challenge, c'est ce diable. Alors, il y a un lien, il y a des liens qui sont un peu compliqués, il y a peut-être un fonctionnement personnel aussi qui est un peu compliqué chez vous pour prendre des décisions peut-être. Il y a ce système d'attachement à travailler qui peut être un peu compliqué pour vraiment se libérer d'une situation ou désengorger une problématique. Derrière, on passe quand même du coup au grade de l'empereur où là, vous avez gagné après cette expérience-là énormément en maturité. En autorité, en 2 de deck, je vois également que nous avons le roi d'épée qui là aussi peut prendre de grosses décisions. Donc tout ça est à travailler ce mois-ci. Intérieurement, spirituellement, vous avez là aussi un valet et vous apprenez aussi de nouvelles choses avec votre tête. Donc tout va bien, tout est en place. Le valet d'épée a de l'enthousiasme aussi. A besoin d'avoir des réponses, donc n'a plus peur trop de poser des questions et même peut-être capable hein, d'entendre les réponses parce que parfois on pose des questions et finalement on n'avait pas spécialement envie d'entendre les réponses. Il a cet esprit de découverte, donc vous avez cet esprit de découverte de nouvelles choses, de nouvelles recherches intérieures et spirituelles.
ça peut effectivement être grandement aidant dans cette situation. On va aller voir énergie générale, spirituelle pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Vous avez la roue de fortune. En aide, vous avez l'ermite. C'est vraiment spirituellement, intérieurement que les choses se passent fortement, j'ai l'impression. Vous avez deux cartes majeures déjà. Et en challenge, vous avez la 10 d'épée, bien sûr. Et sur le valet d'épée, la 6 d'épée. Voilà, donc effectivement, là, on retombe sur nos pieds, clairement sur ces énergies, sur un plus juste équilibre, hein. Retrouver un équilibre dans votre vie, faire le bilan. Bon, la vie change, vous le sentez, il y a effectivement, la vie change, il peut y avoir un retour de manivelle là, vous avez cette sensation que si vous étiez en bas, vous allez remonter, hein, vous allez remonter en haut, et que si vous étiez en haut, vous allez descendre. Il y a cette notion de compréhension de cycle de vie. Qui parfois se retrouve bloqué, tout à coup, hop, tout va très très vite. Mais sur un cycle, j'allais dire régulier, du coup non, mais ordonné quand même. Il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Peut-être même que ça vous allège l'esprit, finalement. Du coup, ça vous permet de prendre de la hauteur. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Alors, ça reprend un peu cette idée de la 4. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'isolement peut-être réel, hein, dans votre vie qui va vous laisser le temps de souffler et du coup de comprendre et de saisir cette notion-là. Il peut y avoir aussi clairement cette compréhension intérieure, même si personne ne vous arrête. Ce temps de guérison, en ce cas, peut vous permettre de comprendre et d'allumer la lumière. Alors, c'est bien beau tout ça, sauf que pour passer par là, le challenge, c'est la 10 d'épée, c'est-à-dire qu'il faut quand même achever violemment, brutalement, un système mental avec l'idée que vous ne pourrez pas ne pas... C'est ne pas... Vous ne pouvez pas, en fait, sortir de ce cycle de la roue de fortune. Si vous éjectez de cette roue de fortune, c'est fini. Vous arrêtez là, c'est terminé. Du coup, il y a un système avec la 10 d'épée où ce cheminement mental doit se faire. Et le chemin que vous aviez pris, tout ce que vous avez essayé sur une situation... là, il y a un peu l'idée de la goutte d'eau et il faut vraiment achever. Alors, vous seul saurez quoi, mais achever un système mental où de toute façon, vous avez tout essayé sur cette question-là. Où de toute façon, vous êtes passé à un grade supérieur. C'est vraiment l'énergie du roi qui se transforme en empereur. Donc, il y a une modification à faire, même si elle peut arriver de manière un peu pénible. On le voit quand même. Cet allègement au final, cette prise de hauteur et cette recherche de plus d'équilibre. À la fin de ce parcours, vous vous retrouvez avec la 9 de denier. La 9 de denier, c'est plutôt intéressant parce que là, ça joue sur vos souhaits concrets, personnels, limites égoïstes, la recherche de votre confort, de vouloir profiter de ce qui vous fait du bien, juste, sans trop réfléchir finalement au tiers, sauf à ceux qui sont importants pour vous, bien sûr. Voilà, de vous recentrer sur votre petit confort, ce dont vous avez envie, et surtout d'en profiter également. On va tirer 3 cartes de la couleur tarot là-dessus pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9? On a le retour de la reine de coupe. La 6 de denier. Ah, et cette fois-ci, le cavalier de bâton va pouvoir surgir au galop. Et en plus, on a l'impératrice avec le roi de coupe et le soleil. Bon, écoutez, à la fin de ce parcours, vous allez vraiment vous recentrer sur vous, vos souhaits, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Cette reine de coupe qui revient là dans la matérialité de votre vie, alors personnage extérieur ou vous, telle est la question. Là aussi, vous seul le saurez. Continue en fait son travail.
Là, dans la matérialité également, recréer un équilibre. Il y a cette recherche de plus d'équilibre dans votre vie, clairement. Et ce cavalier de bâton, après avoir passé ce stade apprenant au niveau de ses désirs, peut enfin s'enclencher et partir vite et partir bien. Pour le premier décan, vous avez la 10 de coupe. C'est l'idée de la petite maison dans la prairie, un idéalisme absolu, un cœur communautaire, émotionnel, où toutes les émotions vibreraient correctement ensemble. C'est peut-être dans cet idéalisme-là que ces énergies vont se porter pour vous ce mois-ci. Pour les deuxièmes décans, vous avez le valet de denier, donc cet réapprentissage, peut-être qui joue sur l'émotionnel. Pas de panique, vous êtes encore apprenant, vous avez encore le droit de faire des erreurs dans ce parcours. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 8 d'épée. Il est quand même temps, vous êtes enfermé dans un système mental. Ça serait vraiment intéressant ce mois-ci de vous en sortir, de vous dire que finalement, tout ce qui vous emprisonne, c'est juste vous. Et c'est pas forcément les autres. C'est un peu comme la notion du diable, se plaindre d'être attaché à un système, mais en même temps, ne pas finalement vouloir s'en détacher. Il suffit juste, vous n'êtes pas séquestré, pour la plupart d'entre vous quand même, je l'espère. Vous seul, vous attachez à ce système-là finalement. Bon, il y a quelque chose à travailler avec ça, pour vous les Verseaux, du troisième décan. Pas de panique, pas de panique. De toute façon, là, je pense que ça va se faire, quoi qu'il en soit. Il faut sortir de ces vieux schémas mentaux et de ces vieilles prisons mentales, en fait. Pour la carte majeure, pour ce mois, vous avez les Verseaux. Le pape, ce que vous représentez, et la tour. Il y a quelque chose qui se déconstruit, hein. Oui, on l'avait vu sur cette transformation du roi en empereur. Ce que vous représentez dans ce monde, les valeurs que vous portez, ce que vous voulez transmettre aussi. Là, ça, c'est quelque chose qui est en train de se déconstruire pour le mieux, hein, j'ai l'impression. Il y a une transformation, l'ermite, la justice. Ça va demander un petit cycle quand même, mais vous êtes sur le bon chemin. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve les Verseaux pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas là du tout à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire. On va tirer une énergie générale et ensuite on ira voir trois cartes pour les couples, trois cartes pour les amours flous, trois cartes pour les célibataires. C'est parti! Énergie centrale de votre tirage qui vole, la 9 de coupe. Vos souhaits, vous commencez avec la 9 de denier, vous finissez avec le diable. On déploie 6 de coupe, étoile, 8 de coupe, 10 de denier, les amoureux, 7 de bâton. En dos de deck, vous avez le chariot, la tempérance, la 5, l'ermite. Ok. Bon, de manière centrale, vos souhaits, vos voeux, ce que vous voulez, comment être content, c'est un peu égoïste et en même temps, pourquoi pas? Parfois, il y a vraiment besoin de se recentrer sur nous, émotionnellement, ce qui nous ferait du bien, pour pouvoir ensuite le déployer sur les autres. Il y a eu un certain confort dans votre vie. Il y a aussi cette idée de nostalgie émotionnelle. Et il y avait là-dessus beaucoup d'espoir qui était fondé, les Verseaux, pour certains. Pourtant, là, vous basculez, vous faites cette bascule émotionnelle pour vous concentrer sur votre propre satisfaction. Là, vous faites vraiment cette étape basique 8-9 qui pourrait se matérialiser en denier avec la 10. Sur une méga construction où là il y aurait de l'émotionnel et du constructif, de la réalité, c'est la grande famille, une méga construction qui peut être familiale, hein, donc professionnelle, les deux, ça englobe vraiment toute votre vie et vous avez une part dans cette 10. L'étoile arrose, hein, quand même cet idéal et cette 10 de denier que vous portez peut-être idéalement.
en fait. Pourtant, il y a un choix à faire. Un choix à faire qui va peut-être être fait en suivant votre cœur, en décidant que ce que vous aviez, c'était très bien, mais qu'il va falloir se réactionner, partir, chercher quand même votre propre satisfaction, ce qui vous conviendrait le mieux. Il y a un système de défense au niveau des désirs. À un moment donné, il va falloir vous battre quand même, hein, maintenir vos positions. Par rapport à ce système d'attachement, là, on finit quand même sur le diable, hein, qui est quand même très fort pour vous, très très fort pour vous ce mois de septembre. Ce vers quoi vous tendez, sans surprise, c'est la roue de fortune. Et l'action principale que vous allez engager, c'est travailler sur cette prison mentale, cet enfermement, ce qui vous interdit finalement d'aller où votre cœur vous porte, j'ai l'impression. Pourquoi alors, franchement? Vous vous interdisez des choses, en fait, les Verseaux. Là, c'est vous travaillez à pourquoi vous vous interdisez certaines choses. On va aller voir, du coup, les couples. Les Verseaux en couple. Trois cartes pour les couples. C'est parti, c'est parti. Trois cartes pour les Verseaux en couple pour ce mois de septembre. Vous avez la 6 d'épée. Vous avez le valet de denier. On va les retrouver. Pas de panique. Et vous avez la 2 de bâton. Vous avez un choix, une croisée des chemins. Mentalement, c'est encore un tout petit peu compliqué. Cette peur du risque, hein, toujours, hein, avec cet empereur qui est peut-être au-dessus de vous, hein, aussi. Ça peut être une énergie au-dessus de vous qui, ou peut-être le rôle que vous vous imposez. Donc, quand même, malgré tous les couples, vous quittez une crise, vous prenez de la hauteur, vous changez quelque chose, vous vous rendez compte que de toute façon, il y avait quelque chose qui ne tenait pas la route, c'était stérile, se prendre la tête pour rien, c'est usant. On arrive à s'alléger l'esprit et à partir vers des rivages plus sereins. Sur un nouveau projet peut-être, parce que là vous redevenez apprenant, vous décidez de vous relancer en redécouvrant matériellement des choses palpables, hein, dans votre vie de couple, hein, qui vous ouvre à une croisée des chemins. Alors peut-être que l'un d'entre eux, l'un de vous va vouloir se relancer dans une autre direction professionnelle par exemple, ou une d'autres envies, il aura d'autres envies et que du coup ça va ouvrir un champ. Donc là il va falloir faire des choix derrière. Des choses vont pouvoir se régler par rapport à ça. Peut-être pas tout à fait ce mois de septembre, puisqu'il y a quand même un gros travail sur la peur du risque et les liens à faire. Mais malgré tout, ça se réouvre. Et avec des bâtons, des choses qui allument quand même et qui énergisent. On va aller voir le conseil pour vous. Les Verseaux en couple. Oups là, ça saute de partout. Un petit conseil pour les Verseaux en couple. Alors, l'étoile, la 5 de denier. Pensez bien que vous êtes porté, faites-vous confiance. Il faut voir ce qui vous manque matériellement, concrètement dans votre vie. Essayez de ressentir ce qui vous manque pour pouvoir combler ce manque et régler ce problème-là. Possiblement en repartant sur un nouvel apprentissage, de nouveaux projets, que sais-je, et qui vous ouvrirait vraiment à une stimulation plus forte. Comprenez bien là que vous pouvez vous en sortir. Par contre, si vous restez dans l'énergie de la 4, la peur du risque, vous resterez dans cette situation-là et ça pourrait devenir catastrophique. Donc, conscientisez ces manques, comblez ces manques et vous verrez que les portes vont se réouvrir pour vous, les Verseaux en couple. On va aller voir les Verseaux en amour flou, en couple, oui, peut-être pas en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais franchement. C'est trop l'angoisse si je prends des risques, par exemple. Les Verseaux en couple, en amour flou, qui ont quelqu'un en tête, même si c'est compliqué. Et oui, ça a l'air compliqué. Alors, vous avez la 6 de coupe. Vous avez le pape. Et vous avez la 3. Ouh, et vous avez la faim, mais vous avez la force. Ah, c'est un peu compliqué pour les Verseaux en amour flou.
Il y a eu des bonnes choses pour beaucoup. C'était bien, c'était doux. Il peut y avoir un système de nostalgie là, assez fort. Peut-être quelqu'un qui vient du passé aussi, qui revient, qui réentretient, qui rallume un peu ces bons souvenirs. Cette simplicité des rapports, par contre, vous êtes confronté à un cadre, une officialisation, une structure, une valeur morale, peut-être pour certains, qui est assez puissante, qui est centrale là, hein, et qui du coup fait que la réalité tout à coup ne conviendra pas forcément avec la vôtre, les Verseaux en amour flou. On peut envisager que c'était doux, c'est chouette. Vous avez peut-être un rapport très pur et très tendre et très fort avec quelqu'un, mais le cadre, la structure, l'ordre et la morale arrivent là, se posent là, et du coup, ça ne se passe pas comme prévu. Conseil, 10 d'épée. Oui, ben, il faut passer ce cap, hein. Il faut envisager que. En tout cas, il faut envisager de clôturer avec un système mental. Ouais, bah oui. Et la 8 d'épée, vous vous emprisonnez tout seul dans un système là. Alors peut-être, est-ce que c'est vous, hein, qui êtes confronté à ce pape et qui le mettez en avant, puisque c'est quand même l'énergie que vous aviez en énergie majeure, qui mettez vos valeurs, ce qui doit se faire, ce qui est très officiel, l'ordre, la morale en avant, et du coup vous plantez tout seul vos trois épées là. Là, il faut sortir d'une prison mentale. Voilà, c'est un conseil. C'est un conseil. En dos de deck, j'ai la 9 de coupe, qui est peut-être à travailler quand même, hein, de savoir est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez suivre les règles. L'ordre et la morale. Question, question. B, voilà. C'est pas facile, c'est pas facile. On va aller voir les célibataires, célibataires qui eux n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Et là, ça se complique pour vous. Mais là, je parle aux célibataires, célibataires. Vous avez la 10 de coupe. 10, 10, 10 de coupe. La 7 de bâton sur la 7 de bâton. Et la justice. Ah, et c'est pour vous, l'impératrice, avec le valet d'épée, une nouvelle opportunité, le cavalier de bâton. Bon, il y a un idéal fort chez vous. Peut-être un cœur communautaire aussi, une grande famille d'âmes de cœur qui vous porte, qui vous soutient. C'est très beau. Vous vous battez pour vos désirs, vous êtes quand même en lutte, hein, peut-être dans ce cœur communautaire, pour vous battre, pour continuer à entretenir ce cœur. Il y a quelque chose qui se pose quand même, un acte, une décision, peut-être juridique, hein, qui se pose là. Ça serait quand même intéressant de voir cette vérité-là en face. La justice, quand elle prend une décision et qu'elle vous regarde droit dans les yeux, vous ne pouvez rien faire d'autre de constructif que de voir la vérité en face et faire en conséquence. On va aller voir le conseil pour vous, les Verseaux. 10 de denier, méga construction familiale, professionnelle, sociétale, entière, dans laquelle vous avez une part. Ça serait intéressant de matérialiser tout cela, parce que là, on est sur de la coupe, là, on est sur du désir, on arrive sur de la justice qui vous fou, remet un coup à la réalité, un peu comme cette 3, pas forcément négative, hein, mais il y a quelque chose d'acté quand même, ceci dit, et il faudrait maintenant arriver à ressentir ces effets-là matériellement sur cette 10. Et vous, à repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision, possiblement offerte par la décision de cette justice. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. J'ai la fille de Pentacle qui était dedans, si ça vous parle. C'est un petit faon magnifique, avec un bel arc-en-ciel. Allez, c'est parti. Les Verseaux, ce mois de septembre, vous êtes. Yé yalel.
Pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force du caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester, aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre les Verseaux et je vous dis au mois prochain.